Voilà, mi bayanga. Voilà, ça c'est les malangois. Hein? Ça c'est les malangois. Donc moi, personnellement, les poissons, tout ce qui concerne poissons, j'ai les épices vraiment presque avec les mêmes épices. Hein. Donc c'est-à-dire, je prends jeune oignon, je prends paprika pour rougir un peu, tu vois, pour rougir un peu mon poisson quand ça va... Ça sera grillé ou bien ça sera mis au four, un truc comme ça. Donc, je mets de paprika, je mets de sel, je mets un peu d'ail, je mets de, comment on appelle, le poireau. Et puis, je mets un peu de gingembre, le gingembre frais là. Donc, je mixe le tout. Donc, j'ai dit un peu de sel aussi. Je mixe le tout et puis ça me donne cette sauce ici. Donc, j'en ai souvent, je fais une bonne quantité et puis je congèle ma sauce dans des sachets. Je vous montrerai peut-être une autre fois comment je fais. Et puis, une fois que j'ai besoin, je prends juste la boule d'épices là. Et puis après, je mets dans mon poisson, je décongèle ça. Et puis, je renverse dans un bassin comme ça ou dans un récipient comme ça pour bien tourner. Donc là, je suis en train vraiment de bien tourner pour que ça puisse bien s'épicer. Puis je vais griller. Comme mon mari, il voulait le poisson avec la sauce et le riz. C'est ce qu'il a envie de manger. Donc, je suis obligée de faire ça. Mais sinon, moi, le malangwa ici, personnellement, je ne le fais pas à la sauce parce que je trouve que c'est trop graisseux. Donc, enfin, je ne sais pas si ça se dit. Il y a beaucoup de graisse. Donc, quand tu fais ça à la sauce... C'est comme si graisse et bakisamakali sous. C'est comme si ça augmente encore l'intensité des graisses. Donc, ça, c'est moi. Hein? C'est mon avis personnel. Donc, je vais laisser reposer comme ça. Tout ça, il a kaba pour ça. Il y a son goût à le bien. Il a envie de manger quelque chose. Tout ça, il a kaba pour ça. Donc, on se retrouve juste pour la suite. Voilà. Voilà, les amis. C'est le moment. Après que notre poisson est resté reposé pendant quelques minutes au frais. Voilà, nous allons maintenant passer à la cuisson. Donc, notre poêle est déjà là. Là, je vais mettre le feu et on va mettre un peu d'huile. Voilà. On va mettre un peu d'huile pour frire notre poisson. Voilà, je pense que comme ça, c'est bien. Sans oublier que l'huile, le poisson en question... C'est un peu graisse, il y a beaucoup de graisse, donc voilà, il ne faut pas mettre trop, pas beaucoup d'huile non plus pour éviter les alamafuta. Donc là, l'huile est bien chaude, ça a bien chauffé. Je vais maintenant commencer à mettre mes morceaux de poisson. Donc j'aime pas quand c'est trop chaud non plus pour que ça ne s'éclate pas sur mon visage. Donc voilà. Quand le poisson est bien mariné, en tout cas, ça donne quelque chose. Réaliser ma sauce rouge, donc je vais réaliser la sauce rouge pour mon poisson, mais avant cela je vais d'abord purifier mon huile. Donc c'est à dire j'ai enlevé tout l'huile qui était ici, que j'ai grillé le poisson, j'ai mis dans la petite casserole, j'ai rincé le poisson, ma poêle, et voilà, maintenant je suis en train de remettre le même huile mais sans les trucs là, sans des poussières là, vous voyez. Donc j'ai pas besoin de jeter mon huile, donc pour ne pas gaspiller, voilà, pour éviter trop de gaspillage. Donc là maintenant je vais réaliser ma sauce rouge. Je vais mettre mes oignons que j'avais déjà apprêtés. Voilà. Je vais faire revenir un peu légèrement. Et puis, je vais mettre ma tomate pelée. Je mets tout. Je vais laisser mijoter pendant quelques minutes. Et puis, les amis, j'ai un autre petit secret que je vais vous dévoiler. Vous voyez cette sauce ici? C'est ce que j'avais épicé avec le poisson. Donc, ça va me servir encore à rajouter dans ma sauce.
Je vous dis, c'est une merveille. Si vous faites ça, je vous dis que votre sauce rouge sera juste waouh. Donc, vous n'avez pas besoin de jeter. Évitez de jeter des épices. Et tout est consommable. Donc, une fois que tu fais comme ça, tu n'as pas besoin de mettre encore, de rajouter du sel dans ta sauce rouge. Sinon, ta sauce sera très salée. Très salée. Donc, il faut laisser comme ça. Il ne reste qu'à rajouter de l'eau après. On va laisser mijoter pendant quelques minutes et on va revenir. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez ma sauce, comment elle est bonne? Elle est belle. Une belle sauce, une bonne sauce. Donc, là, c'est presque... Donc, on va continuer à tourner parce que ça va cuire. Hein. Écraser un peu les tomates qui sont un peu, voilà, un peu grosses là. Et je vais quand même goûter. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est trop bon. Pas besoin de rajouter du sel, je répète. Pas besoin de rajouter la noix de muscade, ni poivre. Non, parce que dans la marinade, dans les épices qui étaient restées dans notre marinade, il y avait tout. Il y avait tout, mais Bayanga, il y avait tout, tout. Sinon, ah, ben on a la voyage, on constate que la maman a la sienne à recette, on a la tête, tête, tête. On a technique à maman qui m'a dit, on a dit, on a dit, hé, maman, ou la mère. Voilà, une fois que votre sauce est prête, vous allez prendre maintenant la casserole, là où il y a le poisson, comme vous pouvez voir. Hein? Voilà, c'est là que se trouve le poisson. On va tout verser à l'intérieur. Donc, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Vous voyez ce que ça nous donne? Voilà, voilà. On va laisser mijoter pendant 2 minutes seulement, pas trop. À cette étape, les amis, vous n'allez pas tourner avec la louche. Vous allez juste tourner comme ça, avec la casserole, les deux mains. Vous faites comme ça pour que ça se mélange. Sinon, vous allez casser vos poissons. Donc, il faut mélanger comme ça. Donc, voilà, notre sauce est prête. Voilà, voilà ce que ça donne. Oh my God, on peut pas sécher la sauce, donc ça doit rester comme ça vu qu'on va manger avec le riz, donc on a besoin de notre sauce. Voilà, voilà, on va servir et on va passer à table. Voilà les résultats finaux, voilà ce que ça donne. Un poisson bien cuit. Avec une petite sauce à côté. Donc, si vous voulez, vous pouvez maintenant prendre votre sauce avant de manger. Vous la répandez un peu au-dessus comme ça. Et maintenant, vous pouvez manger avec appétit. Bon appétit à tous. Voilà, abonnez-vous massivement sur la chaîne de Mama Kimia. N'hésitez surtout pas. N'hésitez pas. Yaya, le goût de ça. Boya boye siko yo, ba boya yo. Ah, mama, soki ba boye yo, kende ko luka elunga nzambe. Voilà, le goût est dedans. Le goût est dedans. Le goût de ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Oh mon Dieu. Yaya, pardon. Olamba, Mama Kimia. Bye bye.